Bonjour à vous, et nous voici pour le 17ème épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Donc j'enchaîne direct sur le centre Pokémon. Pas de menu de démarrage, tout ça, écran titre et tout ça. Bien souligner que c'est une continuité, il n'y a pas eu de hors caméra. Donc l'équipe du jour, ce qui a été capturé dans la centrale. On a 6 Pokémon de plus. Qui est dans le PC? Bon, Ludicolo qui est maintenant hors service, il est beaucoup trop haut niveau, sinon c'est pas drôle. Ces trois là, Nidoking, Grolem, Galeking, ben je l'ai laissé sur le bord de la route maintenant. Donc mon équipe officielle pendant quelques épisodes, ça sera Tyranocine niveau 70, Granina niveau 73, Florissant niveau 72, Lagron niveau 73, Rocarnage niveau 75 et Brazigali niveau 75. Je vais essayer de limiter les entraînements parce que j'ai pris beaucoup de niveaux quand j'ai complété mon Pokédex. Pour arriver à 300 Pokémon. Et si je viens ici, c'est pour une raison simple. Salut tout le monde, je suis le spécialiste des noms. Eh oui, la grande n'a pas été renommée, sinon c'est pas marrant. La grande, ouais, c'est pas mal, mais tu voudrais que je vous donne quelques noms. Oui, allez. Alors ce nom va faire penser à celui de... Ce surnom va faire penser à celui de Ludicolo. Non. Minuscule, s'il te plaît. Minuscule. Eline. Il y a la place, ouais, c'est bon. Voilà, j'ai réfléchi parce que c'est une femelle. Eline Wen, ça veut dire la fille du lac. En elfique. Bon, ça fait penser un peu en légende avalonienne. Vous voyez, comme... c'était quoi, Viviane, la fille du lac. Puis bon... Roucarnage est content, je peux à nouveau voler sur son dos, et pas le roucarnage de poche, hein. Allez, on revient à Las Vegas, la ville des casinos, interdit aux mineurs. Et pas de chance, vous êtes un mineur, vous êtes un gamin de 12 ans, je sais plus combien, donc vous n'avez pas le droit d'accès au casino. Ah d'accord, donc c'est pas des magasins, et... Ok, bon, on va visiter la ville. Las Vegas. Allez, on va essayer d'être organisé, d'éviter de faire des doublons. Donc, je lui ai déjà parlé à la fin de l'épisode précédent. Lui aussi avec sa faute d'orthographe. Attends, on va faire les immeubles. Allez. Je suis allé sur la route en or. La ville un petit peu plus bizarre m'a défié et m'a explosé. Pourtant, je suis un bon dresseur. J'ai même quelques badges. Bah, pourquoi je vois pas tes noms écrits sur les arènes là? T'as déjà été à Villa Cambry, c'est une ancienne ville souterraine, c'est super étrange. Ah oui, c'est la ville des archéologues, c'est ça. Las Vegas, c'est vraiment une ville immense, c'est difficile à trouver pour un étranger. Ok, ça c'est le toit, avec les lits. Pour une fois qu'ils ont mis un PNJ au dernier étage. Allez, cet immeuble, c'est fait. Quoi ça? Je suis désolé, ces bâtiments sont privés. Oh, bah tiens. Moi qui cherchais le centre Pokémon, je serais rentré dedans, ils m'auraient téléporté. Non, c'est un casino, vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est quoi, c'est un casino ça? Oui. Ah, je suis désolé, le casino est interdit aux mineurs. C'est ça. Ah, vous n'avez pas le droit de jouer au jeu d'argent. Faut croire que la législation européenne est passée avant la date sur ce jeu. On met plein de casinos pour vous narguer, mais non, vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit d'y jouer, donc c'est légal. Aux yeux de la loi européenne. Attends, je vais sauvegarder parce que j'en ai marre de me faire téléporter en... Ah, je suis pas expulsé. Ouais, parce que moi, me faire téléporter en centre Pokémon, ça m'énerve quand même. Hein. Ils peuvent pas me mettre à la sortie. Salut, tu m'as l'air d'un dresseur, par conséquent tu dois beaucoup voyager. J'ai perdu un objet très important, un scanner. Ah, mais ça c'était dans les fonds marins. Sur le chenal 11, si tu me l'amènes dessus, fais-moi signe s'il te plaît. C'est ça que vous avez perdu? Oui, exactement. Bon, il a un peu pris l'eau, c'est sûr, hein, il est plein d'algues. Hein. Pour te remercier, prends ça, je viens de l'inventer, il te permettra de déplacer de grosses charges. Oh, robot. Encore merci pour ton aide. Robot, oh c'est un androïde, un R2-D2,
petit robot permettant de déplacer les objets. Petit, mais extrêmement fort. Ouais, le scanner, il a même pas été enlevé. C'est marrant, il reprend même pas son scanner. Non, pas enregistré, utilisé. Non. Ah, je peux pas les reclasser? Ah bah non, si. Alors, je vais juste faire un truc. La hache, la torche, la hache. Je vais mettre toutes les CS en même endroit. Robot. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, radar, non. Cherche visible, attends, je l'enregistre, s'il vous plaît. Non, mais enregistré. Voilà, fin du ménage. Il me dit quoi encore? Merci pour ton aide, ok. Ouh, il est scientifique là. Bonjour. Tiens, visiteur, je suis un chercheur assez réputé. J'ai reçu un financement pour mener des expériences qui ont abouti à la fabrication de ce que tu vois là, une authentique machine à voyager dans le temps. Je recherche actuellement des cobayes accomplis pour les tester. Ça t'intéresse-t-il? Fais bien attention, tu ne pourras pas changer d'équipe et il est conseillé d'avoir un Pokémon avec vol et un autre avec surf. Mais bon, c'est le cas. Toujours partons, alors on va sauvegarder. Parfait, prends cette oreillette pour communiquer avec moi, ainsi je te guiderai. Allez, c'est parti! Allô, tu me reçois? Oui, impeccable. Très bien, pour l'instant, tout se déroule comme prévu, je te laisse explorer la zone. Toutefois, évite de combattre ou encore de t'éloigner dans la mesure du possible. Il vaut mieux restreindre le nombre d'interactions. Terminé. Oh là là! Bien sûr, je pense qu'on peut pas courir. Bah non! Allez, on va sauvegarder. Les panneaux sont utiles, hein? Hein? C'est pas censé être maison de Sacha. Mon fils est parti à l'aventure. Donc ils ont recréé Super Nintendo. C'était pas une NES normalement? Un système de divertissement Nintendo. Maison de Maël. Ouais, sinon c'est Régis. Non, je vais voir la carte, tiens. Une carte. Non, on ne sait pas lire cette carte. C'est du charabia, c'est écrit en japonais. Je ne sais pas lire le japonais. Labo Pokémon du prochain. Le prochain va bientôt avoir sa propre émission de radio. Oh, une poubelle. Non, rien. Rien. L'option survie est sur l'écran du menu. Ouah, le bug. Mais dites-moi, c'est... conseil 4, non, c'est conseil des 4. Chaîne Anorion, entraîne ton Pokémon combo pour qu'il devienne fort. Il me bloque la route là. Route 1, bon palais de Jadienne. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Ah, il me donne pas un petit échantillon gratuit? Non, je suis trop expérimenté. Alors c'est les graphismes de la version jeune à première vue. Jadiel. Putain, je peux pas surfer? Ah bah non, il m'interdit de surfer. C'est pas reconnu comme de l'eau. Un PC, mais il y a Windows 98, c'est trop vieux. Je ne sais pas utiliser Windows 98. Shop. Il vend des trucs ou quoi? Non. Bon, on peut pas interagir. Qui se sont venus d'eux?
Je me demande ce qu'... Ah, mais... Je me demande ce qu'on peut explorer au maximum. Ah, la porte est ouverte ou pas? Ouais, il est immense ce bâtiment. Ah, la porte est fermée. Ils sont pas allés par quatre chemins. Par contre, c'est énervant, on peut pas courir. Waouh! Ok. Ils sont pas gênés là. Bug. Ok, bug là. Il y a une distorsion temporelle ici. Je sais pas si c'est volontaire, mais bon. Qu'est-ce que c'est que cette boîte rouge que tu as? Ah, alors tu travailles sur ton Pokédex? Normalement, il faut me demander oui ou non si je veux. Un petit cosauge apparaît. Lol. Que va faire le vieil homme? J'ai une potion et une seule Pokéball. On le voit balancer la Pokéball. Hein. Oui. Wow, ils ont fermé toute l'île. Je vais s'ouvrir d'un coup. Vive comme les flammes, bien rouge. C'est fermé. Bon, ils ont pas mis le repousse moldu comme dans la version originale. Oh, pas bien ça. Non, pas ici. Allez, on accélère. Chop. Non, c'est de la merde. Bonjour, mais je peux pas vous parler. Ah si, de ce côté, il peut nous parler. Ici, on étudie les Pokémon. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas cool. Salut, t'as des Pokémon? Oui, bon. Tic tac tic tac, c'est le bruit du motronome. Parmi trois différents, plus maintenant. Voilà. Là, le PC. Je vous montre tout, hein, je vous montre tout, comme d'habitude. Il est cool mon Pokémon, hein. C'est ceux qui font des échanges. D'ailleurs, il n'y a aucun échange dans ce jeu. Pokémon, je peux pas rentrer là. La salle union, c'était pas dans la première génération, ça. C'est la quatrième génération, ça. Bon, c'est toujours un PC Windows 98, oui. Allez là. Oula. Oh, le vieux poison. Je pense qu'il faut pas faire ça. Faut pas quitter la route. Ah, on peut pas surfer ici. Manuellement. Ah, j'ai plus de route technique, tiens. Ah, c'est bon. Tu me bloques la route. Ah, c'est quoi là? On recommence. Bon, il y a un petit bug. Oui. Voilà.
Wow, il m'a mis où là? Oh, il est niveau 7. Ouais, dodo, s'il te plaît. Et oui, vous l'aurez compris, même si ça fait, c'est un peu bizarre. Bien sûr. Bon, normalement, j'ai le temps de le capturer. Hein. Ça dort pas là. Putain, il me remet. Non, il veut pas rentrer, hein. Fais bobo le bâtard. Ah, il a plus ultra son accord. Il m'énerve, il se réveille tout de suite là aussi. Bon, ça m'a tellement énervé là. Allez, on va. On va cheater là. Ah bah voilà. J'ai pas envie de perdre le Florizard. Chant. Waouh. Pour lui c'est un ratata. Non. Putain, mais il avait la difficulté d'un Pokémon légendaire là. Je suis où là? Ça ressemble à Cramoisil mais version moderne. Ah oui, c'est Cramoisil, là. Wow. Du coup, il me semble qu'il est sur le Pokédex, mais... Alors, il est en numéro combien? Ah bah non. Bon, moi, je pensais qu'ils avaient fait une entrée zéro pour Missindo. Ouais, c'était un petit easter egg. Bon, j'ai toujours pas fini la visite de Las Vegas. Hein. Ah bah attends, centre Pokémon s'il vous plaît. Attends, j'aimerais... Ah, des spectres. Voilà, maintenant je demande une téléportation. Bon, on va s'arrêter là, hein, du coup. Hein. Voilà, fin de l'épisode 17 si je compte bien. Alors, déplacer Pokémon, s'il vous plaît. B-Enigma, waouh, non. Résumé. Florizard. Ouh là, l'attaque. Je pense qu'ils ont même copié les stats du Pokémon Bug original. Non, c'est un Rhinophéron, ce qui, je pense. Rencontrer un Cramoisil. Voilà, bon, on va se regarder. Allez, n'hésite pas à pouce bleu, commentaire, surtout des commentaires, j'aime bien vos commentaires. Et je vous dis à plus tard pour un prochain épisode.